Comment tu as vécu cette mobilisation aujourd'hui ? Ben, ça a donné une énergie assez incroyable, dans le sens où je pensais pas qu'il y aurait autant de mobilisation, et sur les réseaux, ça a été très très fort en termes de visibilité. Pour donner un ordre d'idée, sur l'antenne Nous Toutes, rien que sur Instagram, depuis l'annonce du remaniement, il y a eu plus de 300 nouveaux et nouvelles abonnés, donc c'est assez incroyable en termes d'ampleur. On a un joli masque avec écrit « Stop ». Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ben stop, tout simplement, aux violences sexistes et sexuelles. Le fait qu'on mette au gouvernement quelqu'un qui soit accusé de viol et quelqu'un qui soutient des pédocriminels notamment, ça envoie un message ultra fort, c'est comme cracher à la gueule des victimes. Et du coup, c'est contre ça qu'on lutte. C'était très fort en termes de sororité. Il y a vraiment cette union qui montre qu'on est là, qu'on lâchera pas, et que ensemble en fait, on peut faire de grandes choses, et que tant qu'on se rassemble, on pourra réussir à faire avancer les choses au fur et à mesure. Je suis à la fois féministe, écologiste, pour la lutte médico-sociale et LGBT. Là en fait, dans le plus concret, c'est je m'occupe des réseaux pour Nous Toutes, pour le comité bordelais sur les réseaux sociaux. Alors en plein d'action, il y a eu le 8 mars et normalement en novembre il y a une grande marche à Paris et dans toutes les grandes villes de France. Mais là avec la crise sanitaire, on va voir comment ça se passe, si c'est possible. Et sinon on fait beaucoup de sensibilisation, notamment des réunions Zoom où on a pu réunir des milliers de personnes qui ont été formées aux violences sexistes et sexuelles, et on continue dans cette lignée. Du coup vous faites un accompagnement aux victimes aussi ? Non, on n'est pas formé à s'occuper des victimes et à les accompagner. Par contre, on fait du relais d'information sur les structures vers lesquelles elles peuvent se rapprocher. Et par exemple, vers quel organisme elles peuvent se rapprocher sur Bordeaux ? Il y a le planning familial, le gyrophare éventuellement peut les orienter. Et sinon, il y a les numéros habituels, le 3919. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes viennent du monde reléguées. Vous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Dans notre majeur, les femmes. Ils nous ont divisé, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et jouissons nos entraves. Debout, 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 femmes esclaves, et jouissons nos entraves. Debout, 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 debout. Debout, 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 debout.
justice est sexiste, homophobe et transphobe. La justice est raciste, la justice est sexiste, homophobe et transphobe. La justice est raciste, la justice est sexiste, homophobe et transphobe. La justice est raciste, la justice est sexiste, homophobe et transphobe. Il y en a assez de cette société qui ne respecte pas les meufs, les trans, les queers et les queers. So, solidarité avec les femmes du monde entier. So, solidarité avec les femmes du monde entier. So, solidarité avec les femmes du monde entier. Alors c'est un collectif qui consiste à coller dans la ville actuellement de Bordeaux des slogans féministes contre les féminicides, les violences faites aux femmes, le harcèlement sexiste de rue, sexuel, etc. Toute la lutte qu'on est en train d'essayer de combattre, on l'affiche sur les murs de Bordeaux pour montrer aussi aux femmes qu'elles ne sont pas toutes seules et on peut venir en aide aux femmes puisque l'État ne le fait pas aujourd'hui. On essaye d'apporter un soutien à cette cause parce qu'on a l'impression d'être un peu toute seule, mais en fait on est nombreux derrière ça et nombreuses. Donc voilà, si vous voulez ajouter quelque chose. Et aussi de rendre visibles les problèmes qui sont mis sous silence tout au cours de l'année. En fait, on a l'impression que c'est que le 8 mars et du coup ça continue tout le long de l'année avec ces collages qui sont dans la ville. Et je trouve que c'est aussi une manière de se rendre. C'est aussi une manière de se rendre. Ultra visible dans la rue, où l'espace public c'est pas souvent un espace dédié aux femmes, et en fait ce qu'on appelle l'espace public c'est souvent en fait l'espace de quelques-uns, et notamment les hommes cis et hétérosexuels, et ça permet aussi à nous les colleuses de reprendre la rue et de reprendre en quelque sorte ce qui nous appartient déjà et nous réapproprier l'espace public, quoi. Pour moi la mairie c'est l'autorité, c'est le gouvernement qui nous écoute pas en fait, et le problème, il est là, il vient d'en haut, parce qu'on n'est pas écouté, on n'est pas aidé, il y a pas de réel financement. Il y a des campagnes de pub qui sont mises en place et il y a rien derrière. Du coup, on se sent un peu oublié, mis sous silence. Et c'est tout ça que ça représente en fait. Et aussi, ça représente, enfin, le
enfin c'est le gouvernement, du coup là le remaniement du gouvernement qui est inacceptable. C'est aussi pour dénoncer le gouvernement, quoi. C'est le meilleur endroit, je trouve, pour coller aujourd'hui. Vu qu'ils viennent pas à nous, bah c'est à nous de venir à eux, quoi. Et c'est le seul endroit où on peut réellement venir à eux, parce que genre il y a pas d'autre endroit réel auquel on peut se déplacer. Bah du coup c'est à nous de venir à eux aujourd'hui, quoi. Avec ce collectif, je sais que on a été beaucoup à vouloir aider, surtout pendant le confinement. Les femmes qui avaient du mal à parler des agressions sexuelles qu'elles ont pu subir. Et aujourd'hui, le chef de la police est lui-même accusé de viol. C'est encore plus compliqué de venir pouvoir en parler à la police parce qu'on ne sera jamais cru. C'est inadmissible. J'ai pas trop les mots pour plus fort que ça, mais c'est pas normal du tout. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Si, enfin, c'est pas juste nous mettre dans le silence, c'est aussi encourager les hommes à violer. Parce que ça veut dire violer, il vous arrivera rien. En fait, les vies des victimes sont gâchées, ouais, mais pas celles des agresseurs, pas celles des violeurs, et c'est un problème. J'ai même limite envie de dire qu'ils sont encouragés au final, parce que on parlait de Polanski, là on parle, enfin, il vient diriger les flics, et au final, on fait quoi nous? Bah ouais, c'est tout à fait ça, et c'est aussi dire en fait, c'est pas si grave que ça ce qui s'est passé. En fait, la parole des femmes, elle est sans cesse remise en cause. Et on n'est pas vraiment écouté. Je pense que ça a vraiment énormément choqué toutes les féministes, et même je pense plus loin, les femmes qui sont pas forcément militantes ou engagées, mais parce que quand même symboliquement, c'est une portée ultra violente et que délire quand même en tant que ministre de l'Intérieur, un homme accusé de viol qui en procès pour ça en plus actuellement, et c'est ultra violent, et même je me demande comment le gouvernement Jean Castex a pu avoir la décence de faire ça. Enfin, je trouve ça vraiment inadmissible, et quand on est un minimum, même quand on veut être un minimum conséquent, enfin on parle de gouvernement, de l'exemplarité, comment en fait ça peut être exemplaire d'avoir quelqu'un en procédure judiciaire pour viol qui nous dirige et qui dirige la police qu'on a déjà critiquée toute cette année, tous ces derniers mois pour les violences sexistes, pour les violences racistes, et je trouve que c'est vraiment un gros manque de respect, d'intelligence, et c'est de l'indécence totale. En France, il existe quelque chose de fondamental, c'est la présomption d'innocence, mais en fait vous me dites si on a bien compris. Ce que vous dénoncez, c'est pas le fait qu'il soit coupable ou pas, parce que pour l'instant, il y a une enquête judiciaire, on n'en sait rien, il est peut-être pas coupable, mais c'est plutôt le fait que pendant ce temps judiciaire, en fait, où l'interrogation reste entière et non résolue, pour vous, c'est malvenu, et symboliquement, c'est une offense qu'il ait été promu ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez préciser ce propos? Bah ouais, c'est ça, mais aussi c'est quand on se fait violer, il y a pas de preuve. Enfin, je veux dire, un viol, c'est pas comme un crime où t'as pas de preuve derrière. Et je veux dire qu'il ait violé 2 femmes ou 20 femmes, ça serait revenu au même, parce qu'il y aurait jamais eu de preuve. Donc la présomption d'innocence, ok, elle est là, et c'est bien. Mais de toute façon, un homme qui viole, en général, il est pas condamné. Je crois que c'est 0,1% des violeurs qui sont condamnés. Et 1% des violeurs qui est condamné, et c'est rien en fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on va au commissariat, on se dit, je me suis fait violer. Derrière, il va y avoir des procédures qui seront longues, qui seront épuisantes pour la femme qui s'est fait, enfin la personne qui s'est fait violer. Et derrière, ça va mener à rien. Donc, qu'il ait violé ou non, quelque part, les femmes qui sont derrière, elles seront pas écoutées, quoi qu'il en soit. Et je tiens à dire qu'il y a quand même 2 femmes qui ont porté plainte pour viol contre lui. Et oui, certes, il y a une présomption d'innocence, mais ça ne veut pas dire qu'il est innocent directement, parce que comme l'a dit Charlotte, en fait, le viol, c'est un des crimes où il y a le moins de preuves, en fait, le plus difficile à prouver, mais ça ne veut pas dire que ça s'est pas passé. Et ok, aujourd'hui, il y a une présomption d'innocence, mais j'ai jamais entendu autant de, enfin, il n'y a jamais eu autant de pression sur la. Non, sur du coup l'agresseur, enfin la présomption d'innocence. Bonjour Philippe Poutou, donc encore un mouvement social où tu es présent. Oui, un de plus. Là, c'est quand même assez particulier parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à un peu moins sourire. C'est vrai que les remaniements gouvernementaux, d'habitude, on s'en fout complètement. Des libéraux remplacent d'autres libéraux, des antisociaux remplacent d'autres antisociaux. Mais là, il y avait quelque chose de grave qui s'est passé quand même dans la nomination de Darmanin et puis même celle de Dupond-Moretti.
Et donc, on avait vraiment envie de participer à cette mobilisation-là parce qu'on a toutes les raisons de protester, de dénoncer et de rappeler quand même la gravité de ces choix-là parce qu'il y a un vrai problème de violence faite aux femmes et on sait que c'est une situation qui a tendance à s'aggraver au fil des années. Donc, c'était important d'être là, de dire ça, de rappeler que le combat, il fallait qu'il soit là et qu'en fait, il faudrait même que le mouvement féministe se remobilise parce qu'on voit depuis 2-3 ans que la parole se libère, comme on dit, mais on voit qu'en même temps, les pouvoirs change pas du tout, la société, les problèmes restent les mêmes, donc il faut vraiment que ça se mobilise, que ça mette la pression encore plus par en bas et que la colère éclate, donc ces rendez-vous comme celui de ce soir sont importants. Déjà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire parce qu'on est trois, donc on pèse pas très lourd dans la balance. Mais par contre, on peut parler, on peut dénoncer, on peut mettre la pression à notre façon. Hein. Et on a vu que l'équipe, la nouvelle équipe en place, avait dans son programme l'idée de renforcer, hein, comme un service public, des centres d'accueil, des moyens pour répondre justement, pour protéger et répondre à la question des violences faites aux femmes. Et donc, on va voir. Nous, on poussera dans ce sens-là et on essaiera de rappeler les quelques promesses qu'il y a eu, mais d'essayer de voir comment on peut effectivement mettre des moyens humains, des moyens financiers, de développer des structures et tout simplement un véritable service public hein, qui réponde à ces questions-là. Donc, et surtout ne pas compter que sur la police ou que sur la justice, mais trouver les moyens de faire en sorte qu'il y ait des éducateurs dans les centres d'animation, enfin tout un aspect d'éducation qui permette justement de contrebalancer ces violences qui sont quotidiennes. Donc voilà, c'est toute l'histoire, tout le problème qui est de donner des véritables moyens qui sont en mesure de répondre à des situations d'urgence. Donc on verra, en tout cas on poussera dans ce sens-là et avec les moyens qu'on a, on essaiera de faire en sorte que le débat il ait vraiment lieu puis que derrière il y ait des décisions qui soient prises. Mais bon, c'est forcément en lien avec le milieu associatif, avec les milieux militants, parce qu'on sait que c'est toujours une histoire de rapport de force, et c'est pour ça que la mobilisation par en bas, elle sera déterminante. Il faut pousser, il faut être là pour pouvoir agiter et secouer pour de bon. Les pouvoirs politiques ont tendance à strictement rien faire, donc il faut bousculer tout ça. Tout à fait, c'est la conception de l'élu qu'on a, parce qu'on considère pas qu'un super élu, ça puisse exister. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu des tas de situations où on pensait que ça allait changer parce que le pouvoir changeait de couleur politique. En fait, il se passe rien s'il n'y a pas de pression populaire, s'il n'y a pas de mobilisation par en bas, quel que soit le sujet. Donc là, évidemment, notre conception du rôle d'élu, c'est d'essayer de faire le lien, d'être un point d'appui, d'être les porte-parole d'une contestation et d'essayer de s'appuyer sur le travail militant, associatif, syndicaliste, collectif ou politique pour pouvoir essayer de le relayer. Donc effectivement, c'est inévitable. Il faut qu'il y ait une pression, il faut qu'il y ait une lutte pour pouvoir bousculer ce qui va se passer là. Donc à la mairie de Bordeaux comme ailleurs. Donc nous, on espère, mais à tous les sujets. Donc celui-là, la question des violences faites aux femmes ou la question du sexisme, de toute façon, ça fait partie de ces problèmes-là où il faut qu'il y ait une pression pour pouvoir changer la donne. Je voulais juste rajouter quelque chose. C'est qu'en France, aujourd'hui, dans la société française, il y a encore ce problème de la culture du viol qui est tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, une femme qui vient de se faire violer aura honte d'elle-même avant d'avoir honte de son agresseur, va se laver, va enlever les preuves justement, parce que c'est pour elle la honte. Alors on n'informe pas les femmes, on n'informe pas les enfants sur ce que c'est que le consentement. Aujourd'hui, il y a un gros souci par rapport à ça. Dès qu'il y a une agression, on devrait tout de suite aller voir la police et avoir confiance en eux et savoir qu'on serait reçu. C'est pas du tout le cas aujourd'hui et c'est pas possible. C'est pas possible. On est en 2020, on n'est plus en 1900, enfin, mais encore avant. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Bah, c'est surtout ça, c'est ce que t'es en train de dire, c'est que faudrait aller voir la police tout de suite, rester comme on est, alors que, enfin, on se sent sali, on se sent, enfin, trahi, parce que trahi par certaines personnes, enfin, parce que la plupart du temps, nos violeurs, on les connaît, et donc on est trahi par la personne en elle-même, que ça soit quelqu'un de ta famille, des amis, tout ça. Et le problème, c'est d'aller voir la police. Pourquoi au final? On vient de nommer qui en haut de tous les chefs de la police? Un éventuel violeur. Donc faire quoi? On arrive et on se pointe devant eux pour qu'ils disent « Bah ouais, mais de toute façon, notre chef, c'est le cas. » Ça changera rien. Ou alors, vous étiez habillé comment? Ah oui. Cette phrase, il faut la bannir. Hein. C'est... Est-ce que vous aviez bu? Est-ce que vous étiez toute seule dans une ruelle sombre? Est-ce que vous avez clairement dit non? Est-ce qu'on est libre en France? La devise de la France, ça reste liberté, égalité, fraternité.
on n'est pas du tout libre ici. C'est pas possible. Je dis pas que c'est mieux ailleurs, c'est pas vrai, mais il y a un gros progrès à faire, surtout quand notre devise, il y a liberté dedans, parce qu'on n'est pas compté dedans, nous. Dans la rue, on n'est pas du tout libre. La fraternité. C'est les hommes, c'est les hommes. Voilà, le patriarcat, la société patriarcale. Elle est même présente dans la devise française. C'est quand même incroyable. Merci, on sent que vous avez beaucoup de choses à dire avec beaucoup d'émotion et on a peur qu'il y ait aussi du vécu derrière. Et je vous remercie pour ce témoignage parce que ça doit pas être forcément facile. Et si vous avez une dernière chose à dire pour clore l'interview, la parole est à vous. Darman en démission. Oui, je voulais juste dire que pour ceux qui en embêtent avec nos collages, nos graphes et tout ce qui est toutes les manifestations, on arrêtera quand ce sera terminé et quand on pourra dire à nos petites filles, nos arrière-arrière-petites filles, plus tard, qu'elles soient libres dans la rue. À ce moment-là, ça s'arrêtera. Mais alors là, on va continuer, que ça fasse chier le monde entier. On va continuer jusqu'à ce que ce soit fini. Là, tu parlais de notre petite fille et je repense à une phrase qui est souvent dite, c'est protéger vos filles. Non, c'est pas le cas. Là, c'est éduquer vos fils. Et à ce moment-là, peut-être que nos filles, elles sortiront libres et si elles veulent sortir en jupe, en débardeur, en n'importe quoi, même en jogging, parce que même en jogging, tu peux te faire agresser dans la rue, là, on aura gagné et là, on s'arrêtera peut-être de vous emmerder, comme vous dites. Mais pour l'instant, personnellement, je vais continuer. Et je pense que un des gros apports du féminisme et peut-être le plus important, c'est la sororité, la confiance qu'il y a entre nous, le pouvoir que ça nous donne, la force qu'on a toutes et tous ensemble, et que on réussira tous ensemble à mettre fin à tout ça petit à petit. Des générations avant l'ont fait avec aussi quelques erreurs. Nous, on le fait aussi. Peut-être qu'on fait des erreurs aussi des fois, et j'espère que ça continuera et que jamais ça s'arrêtera. Et voilà. Appuyez par une arme. Comment si elle est réitérée?